à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo vlog, mais tout d'abord, on va prendre le kit empreinte de chez Action 036 mois pour faire l'empreinte d'Alessio, donc dans le moule. Le kit se compose d'une pâte qu'il faut malaxer pendant 2 minutes, d'un cercle pour faire joli, d'un truc en bois là pour Aplatir. étaler la pâte. Nous avons une paille pour faire le trou pour mettre le ruban là-haut. Et voilà. Donc là, il faut malaxer 2 minutes. Et après, on va mettre son petit pied. Voilà. Dans le moule. Alors, on a aplati. Et voilà ce que ça fait avec l'emporte-pièce. Donc, du coup. Et là, on va venir lui mettre le pied dessus quand il aura fini de téter. Voilà, donc on a moulé le pied. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer parce qu'on a déjà raté 2 fois, je crois. Et on peut recommencer en fait. Voilà. Maintenant, il faut laisser durcir ça. Bon, nous, on a laissé en épaisseur pour pouvoir bien avoir la forme. Parce que si on étale trop, ben, ça va pas, il n'y a pas de forme. Donc, on va laisser comme ça. Et je vais faire le trou par ici pour glisser le ruban par là. Là, il faut attendre maintenant 5 jours que ça sèche correctement avant de mettre le ruban. Mais de toute façon, je pense peindre un petit peu l'intérieur ou mettre un pigment pour que ce soit beaucoup plus en relief. Parce que voilà. Bon, il y a mieux, il y a pire. Mais c'est vrai qu'il y a mieux et c'est mieux que rien. Donc là nous sommes à Colmar et on va faire des radios pour Clara pour son dos hein, comme c'était prévu. Regardez ce masque hein. Je vous jure, fin 2021, j'ai les oreilles en chou. Je vous jure, comme ça me tire le nez, comme ça les oreilles et tout. On va tous être une nouvelle génération avec tous des oreilles décollées. C'est un truc abusé. Bon, on va faire les radios. C'est parti. Tu veux que je te prenne le petit? Ça va. Ça y est, on sort de l'imagerie. Ça m'a fait bizarre de rentrer dedans de nouveau puisque ça fait quasiment un an tout pile. Moi j'avais quoi, on est le 11 décembre et moi j'avais rendez-vous le 4 décembre l'année dernière. En fait, ça fait un an que je suis plus revenue ici pour faire ma, comment ça s'appelle, salpanographie, un truc comme ça, pour voir si mes trompes étaient bouchées parce qu'on essayait d'avoir le bébé en fait. Et ça marchait pas et du coup je m'en rappelle de cet endroit parce qu'on m'avait fait l'examen assez douloureux pour voir si mes trompes étaient bouchées ou pas. Et ça me fait un souvenir parce que je me dis dire que l'année dernière à cette époque-là j'essayais d'avoir un bébé et ça marchait pas. Et puis dans peu de temps, ça va faire un an que je suis tombée enceinte quoi, parce que je suis tombée enceinte vers le 20 février. Et voilà, ça fait trop bizarre. Du coup, je suis toute émue. Voilà, parce que malgré la grossesse vécue, ben, j'ai en ce moment beaucoup de nostalgie, pas de la mélancolie, mais de la nostalgie en fait. Pas du début de ma grossesse, mais vers la fin, c'était quand même supportable et joli en fait. Voilà, et c'est vrai que j'y pense et quand je regarde les photos, encore maintenant, ça me fait un truc quoi. Et j'ai tellement envie de revivre ça, quoi, mais je sais que ça sera peut-être pas possible parce que 3 césariennes, c'est déjà bien et voilà, après c'est risqué. Donc, mais bon, je sais pas et voilà, c'est bizarre. Ça me rend assez. C'est pas de la tristesse, c'est vraiment de la nostalgie quand je repense à tous mes souvenirs de cette année, de l'année dernière. Donc là, Dylan a été cherché par son papa. Et là, je ramène Clara chez sa mamie pour le week-end. Donc, j'ai décidé de la ramener à pied. Donc, là, j'ai pris mon porte-bébé. Et ça fait un bien fou de marcher. Bon, ça caille un peu, quoi. Parce qu'on est mi-décembre. Mais ça fait hyper du bien de marcher de nouveau. C'est assez loin, mais franchement, j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin. Donc, je la dépose et je redescends. Là, vous savez quoi? Donc, j'ai déposé Clara. Je suis dans la nuit en train de marcher. Ça me fait un bien fou de me retrouver en fait seule, pas de bruit, de marcher, d'être active et en étant sans bruit toute seule, de voir presque personne dehors, d'être dans la nuit, c'est calme et tout. Ça me fait tellement du bien. Coucou, donc là, cet après-midi, j'ai fait une
Belle, belle balade. Et en fait, ben ouais, ça fait un mois que j'ai eu ma césarienne et j'ai un peu trop forcé. Donc en rentrant, ça piquait un petit peu. Donc là, j'ai un petit peu mal au ventre, à la césarienne en fait, parce que j'ai marché 2 km. Je sais, c'est rien. Avant, je faisais beaucoup plus, mais là, les 2 km m'ont achevé. Donc j'ai hyper mal. Vers en bas, vers la cicatrice. Donc il faut pas que je force parce que ben il est préconisé de pas encore faire du sport, etc. J'avais de nouveau un bouton de fièvre, hein. Bien sûr, quand je suis fatiguée, moi ça se voit sur ma bouche. Donc voilà, je viens de sortir de la douche. Enfin non, je viens pas. Je suis sortie de la douche et j'ai séché mes cheveux. J'ai mangé et puis je me suis occupée bien sûr du petit. Et qu'est-ce que je voulais faire? Là, je dois tourner des vidéos, donc j'en profite, maintenant qu'il dort, de tourner quelques petites vidéos. Donc voilà, ouais, la promenade. J'ai aussi rangé pas mal la maison, j'ai fait beaucoup, beaucoup de linge. Et voilà. Je ne sais plus qu'est-ce que je devais vous dire encore. Mais voilà, je vais commencer à tourner des vidéos. Bonjour mon gris-gris, c'est la première fois il se blottit comme ça, il se couche comme ça. Hey, coucou mon gris-gris d'amour. Carrément, il est sur ma main. T'aimes bien comme ça? Oui. Peut-être qu'il sent que j'ai du lait. Donc il me prend pour sa maman. Donc là, j'ai réussi à endormir mon bébé. Maintenant, je vous montre ce que j'ai reçu. De la bulle de Lily. Donc, on se parle sur Instagram. Donc, elle a un Instagram, la bulle de Lily, et un Snap, la bulle à Lily. Donc, vous pourrez aller voir sa page. Hein. Franchement, elle fait plein d'objets personnalisés et elle m'a gentiment envoyé ce body. Pas de panique, parfois je vomis quand je bois trop, comme mon papa. Donc voilà, en fait, c'est vraiment tout objet personnalisé et j'ai trouvé ça trop chou. Donc, je la remercie. Et elle m'a mis avec aussi une petite bavette. Beau gosse comme papa, en mieux grâce à maman. Bah forcément. Donc ben je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à faire un tour sur son Instagram que je vous mettrai bien sûr ben, là qui défilera. Et c'est franchement trop top en fait. Toutes ces petites créations. Il y a beaucoup d'objets personnalisés. Je vous invite à aller faire un tour parce qu'il y a pas mal de choses qu'elle personnalise. Bon, aujourd'hui dimanche, hein, rien foutu, rien du tout. À part que j'ai tourné 2 vidéos. Donc je suis hyper contente, j'ai pu tourner 2 vidéos, c'était chouette. Et juste un moment, j'ai eu un petit coup de cafard parce que j'ai regardé à nouveau les photos de ma grossesse. Dites-moi si ça vous arrive aussi, si vous êtes nostalgique et tout de votre grossesse en fait. À chaque fois je regarde, c'est bête ce que je vais dire, mais même que ça n'allait pas, même que j'étais hyper malade. Une sage-femme ou une infirmière m'a dit que comme quoi le corps d'une femme est fait pour oublier en fait pour oublier la douleur. Donc bah du coup je sais que j'ai mal vécu le début de grossesse, mais c'est bête à dire quand les souvenirs reviennent. Genre là par exemple aujourd'hui c'est ça fait 1 an. Aujourd'hui pile que j'ai commencé mon premier traitement Clomid, donc du Clomid pour ceux qui savent pas, c'est un petit médicament qu'il faut prendre pendant les règles pour avoir une meilleure ovulation après, pour développer plus de follicules, pour avoir plus de chances de tomber enceinte plus rapidement. Donc voilà, c'était mon premier cycle, ça a pas fonctionné tout de suite, il m'a fallu 3 cycles sous Clomid. Donc là, ça fait pile poil 1 an que j'essayais de tomber enceinte et j'arrive pas à croire que dans 2 mois, ça fait 1 an que, bah, que ce petit bout s'était installé le 20 février. Donc je suis nostalgique. Je sais que je vais avoir des foudres ou des jugements, mais je m'en fous. Mais en fait, je le dis et j'aimerais repasser la même année que cette année en fait. Voilà, j'aimerais tellement, tellement, tellement avoir de nouveau la chance d'être enceinte, de repasser une année chouette comme je l'ai passée en fait.
Peut-être pas avec les désagréments, peut-être pas avec le confinement et les vomissements, mais c'est vrai que vers fin juin, j'aimerais tout passer pareil, à partir de fin juin. Là aussi, je déprime parce que c'est l'hiver. Celles qui me connaissent ou ceux qui me connaissent savent que je déteste, j'ai horreur de ça. À partir de septembre, je commence ma dépression hivernale, donc je suis vraiment pas bien, je pleure, Je suis pas bien, c'est l'hiver, il fait nuit, manque de soleil, pas de sortie, il fait gris, le mauvais temps, bref, je suis pas une fille faite pour être d'hiver, quoi, en fait. Mon chéri, c'est pareil, il m'a dit si lui, il pourrait se casser à partir de septembre jusqu'à février-mars, il le ferait. Mais j'ai dit, mais on signe, je te suis. Parce que moi, c'est pareil, en fait. Et j'ai juste hâte d'être fin mars, début avril. Pour revivre. C'est à chaque fois pareil. Je sais pas, je trouve très déprimant ces temps-là. Voilà. Ouais, voilà. Donc je déprime en même temps à cause de mon baby blues, en même temps à cause de. Enfin, c'est même pas le baby blues en fait, parce que je crois que je suis passée au-dessus. C'est pire que ça normalement. Mais c'est juste une petite dépression quand. Enfin, non, une petite nostalgie ou tristesse quand je revois mes photos de grossesse. Ça me manque en fait de le sentir bouger. Ah, j'ai pas envie de pleurer là. De le sentir bouger dans mon ventre et tout, ça me manque terriblement. Et honnêtement, j'espère revivre un jour une autre grossesse en fait. Et j'essaye d'aller mieux en me disant ça dans ma tête. C'est peut-être pas la dernière finalement. Et voilà, même que j'ai eu trois césariennes, je connais des personnes qui en ont plus. Des césariennes, et donc c'est peut-être possible. Il faut juste que j'attende 1 ou 2 ans, le temps que ma cicatrice bien à l'intérieur et tout. Mais je me dis, je le ressens que c'était sûrement peut-être pas ma dernière grossesse, je n'en sais rien. Mais je suis trop nostalgique en fait, trop, trop, trop. Et voilà, peut-être que ça passera, hein, mais en ce moment, je pense comme ça pour que j'aille mieux. Voilà, chacun fait comme il veut, pense ce qu'il veut, mais. Moi, pour que j'aille mieux, ben, je me dis, je me reverrai un jour enceinte. Même si ça ne sera pas le cas, ou on n'en sait rien, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, voilà. Je voulais vous dire aussi qu'on a oublié d'ouvrir les calendriers de l'Avent ce soir. Donc, en plus, il y a beaucoup à ouvrir, vu que les petits n'étaient pas là. Et ce soir, Clara m'a fait ma coiffure préférée. Nous, on appelle ça la coiffure dragon. Je sais pas pourquoi, parce que ça me fait penser à des queues de dragon, mais depuis que on l'a fait quand j'avais les cheveux courts, ben, on n'arrête plus. Et on remarque que mes cheveux ont grave bien poussé, puisqu'avant, on s'arrêtait là, à la petite queue, et je les remontais en pince. Et là, on arrive à faire une belle tresse quand même avec le reste des cheveux. Je vous montre ça en arrière, voilà, avec le miroir. Et c'est juste trop trop beau. J'adore cette coiffure, franchement. Clara l'avait fait en vidéo il y a très longtemps en ASMR, je pense. Mais voilà ce que ça donne dans le miroir. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Là, on ne la voit pas par là, non. Ouais, j'ai des miroirs un peu partout, hein. Mais bref, voilà, vous avez vu ça. Et bah, purée, l'ouverture des calendriers de l'Avent, j'ai oublié. Donc pour le moule de chez Action, j'ai juste peint avec des pigments et un pinceau en fait la forme. Voilà. Et là, c'est bon, je vais accrocher. Ça fait à peu près, je crois, 3 jours là que ça sèche. Et voilà, ça donne un joli rond. J'ai mis de la laque en fait pour que ça tienne et ça fait un reflet irisé. L'holographique, non, le duochrome est parti. Il y avait des beaux reflets, mais du coup, vu que j'ai mis de la laque pour que les pigments tiennent. Ben, les reflets sont un peu partis. Je verrai avec du vernis plus tard, j'essaierai un autre, mais vous savez, mettre un spray vernis, mais ça, pas tout de suite. Donc voilà pour le kit de chez Action. Donc, ouais, c'est pas mal pour le prix, quoi, mais voilà. Coucou, alors aujourd'hui on est lundi, et du coup, hier, on a carrément oublié les calendriers de l'Avent, hein. Donc on les fait aujourd'hui, on fait tout en même temps. Bah écoutez, on commence par moi. Alors, je vais ouvrir le calendrier de chez DM, du coup, comme ça on commence tout de suite. Il faut ouvrir le combien? Le beaucoup, hein. On n'a pas ouvert depuis le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depuis le 10, on n'a pas ouvert et aujourd'hui on est le. On est le 14 aujourd'hui?
14, oui. Donc 11. Ensuite, je regarde pas. 12. D'abord, c'est moi. Hein. 12. 13. Et 14. Ok. Oh bah super. Alors là, nous avons un joli vernis à ongles. D'ailleurs, je vais demander à quelqu'un de me les sortir. Alors voilà. Ensuite, le numéro 12. Voilà. Donc, j'ai reçu un lip gloss donc pour les lèvres, couleur un peu pêche. Ensuite, un vernis à ongles or. Et ici, nous avons une bulle eyeshadow bleu pailleté. Celui-là, il a l'air trop beau, ce bleu électrique pailleté. Je vais l'ouvrir. Quelle magnifique couleur bleu électrique pailleté. Regardez. Hop là. Tac, nickel. Trop beau. Alors, ça, c'est un gloss. Moi, j'aime pas la texture. Je préfère quand c'est mat. Et du coup, bah, j'aime pas trop. Donc, je vais voir si Clara le veut. Ah oui. Alors, moi, Loukoulouk, c'est le 12, une sucette. Mais moi, j'ai les sucettes, en fait. Hein. La dernière fois, déjà. À Clara. Donc, on a eu ça. Ensuite, ça. Attends, 11, 12. À toi, Clara, pour le 13. Là. Ouais. 13, vas-y. Le 14, ça se sent que ça va être de nouveau les trucs là que j'ai eu. Dylan, il a tout le temps ça. Mmh. Dès que c'est à son tour, Dylan, il a ça. Ah, toi, t'as un carambar cerise. Mmh, il a l'air bon. Maintenant, ça va. Et Dylan, de nouveau, on fait à tour de rôle celui-là. Donc, on est le 14. Ouais. Mais non, ça se sent mal, ça. Oui. Non, non, ça va. Oh, Dylan! Dès que c'est à son tour d'ouvrir, il a ça, le pauvre. Il aura... Dylan, t'auras eu tout le calendrier, toi. C'est pour quel truc? Bracelet. Pourquoi? Pour le 11? Pour le 11. 11 bracelets, Clara, dans le calendrier essence. Ensuite, le 12. Ah. Trop chou, en plus il m'en fallait un. Un baume à lèvres, excellent. Ouais. Eh, au pain d'épices, je crois. Oui. Ça y est, le 13. Ce qu'on voulait voir. Moi je sais. Moi aussi. On a vu, nous. Toi tu sais? Non. Ouh, c'est grand. Oh, le pouf-calendrier. Ah, t'es souhait, mon loulou. Y'a rien. Mais si. Non. C'est une case. Ah. Oh! Waouh! C'est beau, hein? Ouais. Ils les ont achetés sur Action, ça, ou quoi? Non, c'est super joli pour un maquillage et tout de fête. Trop beau! Et le 14, aujourd'hui, nous sommes le 14. Ah, c'est une toute petite case. Vas-y. Ça a l'air joli, c'est quoi, fard à paupières? Ah, excellent, ça c'est bien. Excellent, il est beau en plus. Waouh. Trop bien. Super ce calendrier, c'est bien. Alors, dans le Galac, moi j'ai reçu ces petits bonhommes-là. Ensuite, Dylan, t'as reçu quoi? T'as les 4 dehors, là? Non, non, bah non. Ah, t'as fait lequel? Le 11 de Noël. La cheminée de Noël. Oh, c'est joli. Regarde la bouge pas. Ouais, c'est trop beau. T'as la chaussette, elle bouge. Excellent, c'est joli. Là, c'est un dos, dans les calendriers chocolat, nous avons reçu un ourson, un cadeau souriant, un petit bonhomme de neige et un ourson de Noël. Voilà. Et j'attends la suite du calendrier de Dylan. Dans le calendrier que Dylan m'a fabriqué, dans le 11, j'ai reçu une noix. Dans le 12, la surprise, j'ai reçu... C'est quoi ça? C'est cool, hein? Non, ça te plaît pas? C'est un sachet. Mmh. 12. C'est un calendrier surprise, hein? Il m'a dit, hein, il m'avait prévenu qu'il y avait peut-être des mauvaises surprises, hein? Dans le 13, j'arrive pas. Ah, d'accord.
C'est un Jelly Belly blanc. Ceux-là, je les adore puisque c'est soit lingette pour bébé ou soit noix de coco. Donc, j'aime les deux. Et dans le 14, oups, dans le 14, c'est rien. C'est pas possible, j'ai jamais rien. De la même chose qui était partie dans une autre case. Alors, 11, 12, 13, 14, les bougies, c'est vert. Et vert, c'est pain, mais ça sent rien. Tadam! Alors, pour Grisou, 11, 12, 13, et le 14, il est là. Et le 14, c'est quoi? Oh, ça, il avait. Ah, si, on avait déjà tout au début. 14. Alors, Dylan a reçu tout ça, la cheminée, dans le numéro 11. Ensuite, la 12, Attends, celui-là. la 12, non, non, attends. Alors, on va regarder. Alors, en premier, la cheminée, 11. Ensuite, 12, ce truc, je sais pas ce que c'est. Une fenêtre, on dirait. Ensuite, le sapin. Et de nouveau, un truc comme ça avec une grenouille chocolat. C'était une grenouille chocolat ou pas? Une choco-grenouille. Choco-grenouille. Voilà, j'ai dû me dépêcher parce que je suis en train d'allaiter et il a perdu le titi, il s'impatientait. Donc sinon, moi aujourd'hui, je suis allée au magasin pour acheter le cadeau d'anniversaire à Clara. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Et j'ai pris quelque chose pour mon papy et je vous montrerai. Là, j'ai déposé dans la chambre, je vous montrerai un peu plus tard. J'ai peur qu'il regarde ma vidéo parce que maintenant, papy a reçu une tablette. Donc voilà. Alors, il commence un petit peu à avoir des petites choses. Donc, j'ai pas envie par surprise qu'il tombe sur la vidéo et qu'il voit ce que je lui ai pris. Donc, je vous montrerai ça. Et voilà, c'est chouette. Sinon, j'ai pris un petit bonnet comme ça pour mon fils. C'est du 3 mois parce que ben, maintenant, il lui faut des bonnets et puis les. Taille 1 mois, ça ne lui va plus. On est passé sur des pyjamas et body 3 mois, voire même 6 taillés petits en body. Et voilà, et c'est du 3 mois taillé grand que je lui mets. Parce que les 3 mois taillés petits ne lui vont presque plus. Voilà, on a changé de taille de tout en fait. C'est oh, ça passe trop vite. Je suis aussi allée au magasin me prendre deux pantalons, donc un jean et un pantalon en simili-cuir. Là, je l'ai essayé. J'adore ce type de pantalon-là, en fait. Mais vu que je rentre plus en ce moment dans les anciens taille 40, putain, les gars, je fais du 42. Mais bon, ça passera. C'était toujours comme ça après mes grossesses. Là, ça fait qu'un mois et une semaine que j'ai accouché. Donc voilà, il me faut le temps de remettre mon corps en place. Et mes habits m'iront. C'est juste la taille en dessous, quoi. Donc là, j'ai dû juste prendre une taille au-dessus pour éviter d'être tout le temps en legging. Pour quand même avoir des pantalons habillés. Donc j'ai pris cuir parce que j'adore ça, en fait, simili. Et j'ai pris un jean. Voilà, mes deux trucs préférés.